Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer à installer notre environnement de travail. Donc là, je vous propose l'installation de VS Studio Code et sa configuration. Voilà, c'est parti. Donc, hop, on va ouvrir le navigateur. VS Code. Ok, on va télécharger donc la version pour Windows. Ouais, ça va quand même assez vite. Alors, si on revient d'ailleurs sur les différentes versions, vous avez même certaines versions où vous n'êtes pas obligé d'installer en fait le logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un zip que vous avez dans un répertoire et vous pouvez l'utiliser. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas le droit d'installer des logiciels sur les ordinateurs, bah voilà. Ça vous permet quand même de l'installer, donc vous faites le zip et vous aurez accès au logiciel. Alors, ok, de toute façon, on n'a pas trop le choix, on va installer. Alors, créer, non, ajouter, ouvrir avec code, ça oui, inscrire code en tant que, ok, et ajouter la password. Non, ça, bon, je l'aurai peut-être pas tout de suite, ce qu'il faudra que je redémarre, hop. Donc, on va faire l'installation. Donc l'intérêt d'avoir coché les deux cases, en gros, les deux premières cases, c'est pour que vous allez voir quand on va faire un clic droit sur un répertoire, on pourra directement l'ouvrir. Donc là, je lui fais, voilà, se démarrer tout de suite. Toc. Donc là, il va nous poser quelques premières questions. Donc moi, je vais lui dire dark, non, dark normal. Ensuite, il va me demander en fait c'est si vous voulez synchroniser en fait votre VS Code avec d'autres. Donc ça, moi je vais pas le faire. Le shortcode c'est bon. Le reach là, normalement du coup c'est bon. Et il va me proposer du coup d'ouvrir directement. Donc je vais faire voilà. Tout ça, moi j'aime bien cocher ça. J'ai pas besoin que ça s'ouvre directement. Donc il y a plusieurs choses si on regarde ici. Donc le premier c'est l'explorateur, donc si vous voulez ouvrir un projet quand vous démarrez. Voilà, donc plusieurs petites choses. Là on a le contrôle source, donc ça peut permettre par exemple directement. Alors là il vous propose justement d'installer de download Git for Windows, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là on va dire open. Donc voilà, il va nous amener du coup pour pouvoir télécharger Git for Windows. Donc ça je vous le recommande. Déjà si vous travaillez pas sur Git, il faut l'installer. Alors vous verrez, on reparlera du coup de Git dans une prochaine vidéo plus en détail. Mais voilà comment on peut l'installer. Donc je vais faire Git bash, donc pareil, un Windows le Windows Setup. Après c'est pareil, vous avez la version portable, donc ça c'est pour dire par exemple vous le mettez sur une clé USB, vous pouvez vous brancher n'importe où. Donc là je suis sur mon ordi de travail, donc je vais l'installer normalement. Allez, c'est parti pour l'installation. Donc je vais dire oui. Hop. Next. Next. Alors ici on va regarder, bon, il va ajouter l'icône, j'ai pas besoin. Alors je vais lui demander de vérifier les updates, c'est bien comme ça, vous êtes toujours à New add gish bash profile to Windows Terminal. Voilà. Alors ça je vais cliquer parce que moi personnellement j'ai quand même plus l'habitude de travailler sous Linux que sous Windows. Même si je fais les vidéos sous Windows, la plupart du temps je suis sous Linux. Et donc là l'idée c'est que par défaut en gros dans mon terminal j'aurai Git bash, donc qui est en fait un terminal Linux, donc beaucoup plus facile. Hop, je vais faire next, Git, next. Là je vais garder les valeurs par défaut, en général ça fonctionne très bien. Hop, next, next, next. Next. Ok, alors tac. Bon, alors, je laisse par défaut, j'ai jamais eu trop de soucis.
N'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez mis, vous mettez des options pour une raison précise, c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas. Hop. Voilà, on va faire run bash comme ça, vous allez voir. Voilà. C'est, on a vraiment l'impression d'être sur une commande si vous faites ls, ça vous link vos répertoires et ce genre de choses. Donc ok. Donc là, ça c'est bon, on va refermer ces deux images là. Alors, on va reloader les choses. Voilà, vous voyez, là du coup, il voit que vous avez Git installé, donc tout est bon. Donc là, il me propose d'installer du coup, de remplacer la langue d'affichage par français. Donc je vais lui demander de le faire, il va redémarrer mon Visual Studio, donc n'hésitez pas, comme ça vous avez les bons fichiers de traduction. Donc là on a la partie Git, là ça vous permet éventuellement sur certains langages, alors pas sur tous, mais de pouvoir exécuter du débogage et donc du pas par pas, vous verrez. Et donc le dernier qui moi va m'intéresser, c'est ici à votre les extensions. Donc, en fait, les extensions, bah, comme vous en doutez, ça va vous permettre d'installer différentes extensions. Donc, moi, je vais installer un d'entre Rainbow qui permet, vous voyez, d'avoir la coloration, c'est plus visuel. Et je m'y suis fait. Alors, il y a aussi un truc que j'aime bien mettre. Je crois que c'était celui-là. Je suis en train de regarder. Non, c'était le Easy Icon Theme. Après là, c'est vraiment de la customisation. Donc je vais lui dire d'utiliser mes icônes à moi. Voilà. Et une chose que j'aime bien aussi. Alors, ça s'appelle Aura. C'est un thème du coup que j'apprécie beaucoup. Je vais rester en dark. Voilà, ça fait un thème un peu comme ça. Vous verrez. Vous pourrez juger, voir si vous avez envie de l'installer. Voilà. Donc ça c'est un peu mes. Enfin, c'est les seules extensions que je vais installer pour l'instant on va dire, de travail pour gérer les choses. Alors là, effectivement, il y en a qui vont être recommandés ici. Alors c'est vrai qu'on pourrait installer GitLens. Ça vous donne pas mal d'infos supplémentaires sur par rapport à Git. Donc c'est un peu plus propre. Moi j'aime beaucoup, donc après on va fermer ça. Et bah, vu qu'on a Docker installé, on peut installer les extensions Docker. Moi je vous avoue, je m'en sers pas forcément, j'utilise plutôt la ligne de commande. Mais pourquoi pas. Donc voilà, si on clique, voilà, ça va vous donner l'accès à vos containers, à vos images. Donc bah, ça permet d'avoir un peu un Git, un Docker Desktop directement dans votre Visual Studio Code. Bah du coup voilà un peu tout ce que j'installe dans mon Visual Studio Code. Donc c'est comme ça que je vais le configurer. Voilà. Et bah je vous propose qu'on se retrouve à la prochaine vidéo où on va démarrer un projet d'API REST. À très vite.